Over here, stranger. T'as le loot, Coco. Coco, t'as le loot. T'as le loot, Coco. Coco, t'as le loot qui te colle à la peau. J'ai trouvé des jeux vidéo du Sega et du Nintendo, mais toujours pas Neo Geo. Hey! Buongiorno a tutti! Hola, que tal? Salam alaikum! Et bienvenue à tous nos amis sur cette nouvelle vidéo loot. Et oui, aujourd'hui, spécial vidéo loot RCT, le RC Toulon. Ah Seb! Ah, nous, les terribles gars du Pilopilo qui sont dans l'hôtel vers la mer! Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, j'étais à Toulon avec ma chérie. Alors, c'était pas du tout prévu pour faire une vidéo loot, mais ce matin, avant de partir à Toulon, je me suis rappelé la vidéo du copain Kissban. D'ailleurs, allez voir sa vidéo sur ce magasin. Il avait fait part de California Games, un super magasin indépendant. Et je me suis dit, ben Seb, vas-y, va le visiter toi aussi. Donc, j'espère ne pas faire un doublon du copain Kissban. J'espère vous présenter peut-être d'autres pièces qui sont rentrées depuis qu'il y est allé. Je ne sais pas, on verra bien. Donc, les copains, on se donne en premier lieu, rendez-vous à California Games à Toulon. Ensuite, on ira faire un petit tour du côté d'un cash converter, ce qui n'était pas très loin dans le centre Mayol. Et ensuite à Nizy Cash du côté de la garde. Voilà les amis, pour le petit plan rapide de la vidéo. Et on se retrouve après pour le compte-rendu des loots. Salut les amis, on se retrouve à California Games à Toulon. Je vais vous faire visiter la boutique et je vous dis, il y a des trucs de ouf. Et voilà les amis, on entre dans la boutique. Avec, regardez-moi. Vous allez voir, c'est pépite. C'est pépite les amis, on va commencer avec beaucoup de jeux PS2. Beaucoup de jeux qualitatifs PS2. Hein. Vraiment, il y a de quoi faire, je peux vous dire les amis. On passe sur beaucoup de PS1, il y a énormément de choix en PS1. Et le fameux Total NBA 97 qui est pas commun. Hein. Que je crois que c'est parti des 7 boîtes PS1 carton. Voilà, ça se voit pas souvent et c'est relativement pas cher. Je préfère le dire direct en début de vidéo. Les prix, encore une fois, ne sont pas plus pétés en magasin que sur internet. Je le dis à chaque fois, mais là encore, c'est encore le cas. C'est vraiment, vraiment, vraiment dans les clous. On passe un petit peu sur de la Xbox. Xbox, il n'y a pas beaucoup, mais il y a du Marvel Capcom 2 quand même. C'est assez sympa. Mais c'est la tranche verte, ils auraient pu faire mieux hein, sur Xbox. Hein. Et aussi, regardez les dingueries. Les dingueries, regardez Suikoden, Resident Evil Survivor, Vandalart. Très bon jeu, Vandalart. Exceptionnel, Vandalart. Je suis très fan. Un Clock Tower. Alors ça, c'est pas commun du tout. Un Clock Tower... Pas commun du tout. Du Silent Hill, du Chronicles, vous savez lire, bien sûr, les amis. Regardez du Vagrant Story, ça c'est pas commun non plus, enfin ça devient de plus en plus chiant à trouver. Du coffret Lunar au fond. Chrono Cross. Voilà, je vous laisse regarder. Il y a même des pépites cachées derrière, comme Metroid Trilogy, le Calling sur. La collection des hacks du Persona, la Pucelle Tactics au fond là-bas. Il y a le très beau contrat aussi. Can't forget to kiss it.
Allez, il y a du Raiden au fond. Ça, c'est cool. Une petite pépite, le petit coffre 13 des familles, ça, mon coffre préféré. Le petit coffre 13, donc il est à Toulon. Dédicace au poteau Red Blood qu'elle a reçu il n'y a pas longtemps. Le Ninja Savior, ça c'est une dinguerie aussi. Si vous l'avez pas fait, le Ninja Savior, c'est une dinguerie absolue. J'en découvre en même temps que vous, hein. Je l'avais même pas vu le. Le Ninja Savior, ça apparaît, regardez, le portage de Death Miles 1 et 2 sur PS4. C'est pas commun du tout ça. Et vraiment des petites pépites. A Way Out aussi, super jeu de coop hein, pour ceux qui l'ont pas fait. Qui commence à être chiant à trouver en français. Ouais, c'est un Metal Slug. C'est pas commun ça. Dragon's Crown ici. Allez, ici. Pareil, je ne l'avais pas vu. Encore un coffre 13 d'ailleurs. Deux coffres 13 ici. Ensuite, on va passer à la Nintendo Switch. Pareil, avec des petites pépites sur Nintendo Switch. On voit encore le Death Miles. Pour ceux qui me suivent, les 1CC il n'y a pas longtemps. Mon premier 1CC, donc j'aurai un affect particulier avec ce jeu. On voit le petit Raiden là-bas au fond hein, qui fait de l'œil, bien sûr. Hein. Ça, des shmup. Il y a du Akai Katana aussi, très bon cave, celui que vous voyez à côté du Space Invader. Voilà là où je mets le doigt. Akai Katana, très 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 bon shmup de cave. Et un Donjon Pachi Résurrection derrière sur 3.6, sûrement le meilleur portage, hein, je pense. On a des petits dioramas, regardez, des petits dioramas effet 3D là. Pixel vraiment cool et vraiment pas cher, c'est 29 euros. C'est vraiment vraiment pas cher. Même là on voit qu'il y a des grosses pépites hein, même, regardez dans les étagères quand je vous le dis. Hein. Regardez, il y a un beau Akai Katana sur 3.6, les gars, ça c'est terrible. Hein. Il y a plein de pépites, il y a vraiment plein de pépites, il faut bien, vraiment bien chercher. Et ce qu'on aime un peu dans les boutiques indépendantes aussi. On a de la dinguerie absolue. La collection des shoots ARM au fond. Rise, Arcanum Chronicles, on a du Darius, on a Final 9. Ouais, il n'y a que de la dinguerie là. Contrat collection derrière. Ici. Vous voyez le petit contrat collection. J'ai vu aussi, il y avait un Devil Engine quelque part. Ah, il est là. Il est à côté du Warrior, il est ici. Très très bon shmup. Hein. Devil Engine, c'est vraiment vraiment exceptionnel. Là, on a Daiyuju sur la gauche là-bas. Donpachi, on a contrat opération Galuga. Qu'on trouve pas en magasin. Et là, regardez, pépitounes. Regardez-moi les pépites. Pour ceux comme moi qui font le Jap. T'as vu Forest, j'ai pas dit Jap. Avec ça, le petit jeu Sam et Max, je sais pas si vous êtes connus en micro-ordinateur. Le Sam et Max. Ouais, il y a du bon, les amis. Petit Fragile Dreams, regardez sur Nintendo Switch, Sin and Punishment. Je crois que c'est là qu'il avait pris d'ailleurs le poteau Kiban.
des coffrets Darius, il y en a partout, il y a un slot NVS à côté. Très très belle découverte que cette boutique, les amis. Pas mal de Nintendo Switch avec aussi des pépites là-dedans. J'ai vu qu'il y avait un Death Miles tout à l'heure. En occasion ici, voilà. Death Miles. Ah, c'est des produits qu'on voit pas généralement. Quoi. C'est cool de les voir en boutique. C'est très bon choix GameCube. Ah, c'est une très très belle boutique, hein. Vraiment, les amis. Si vous êtes du côté de Toulon, les copinous. Regardez les amis, on passe de l'autre côté maintenant, regardez avec un magnifique coffret Nintendo Scope, une AES en boîte, plein de coffrets, regardez, plein de coffrets, et du Strictly Limited, il y a vraiment de tout. Hein. Là on voit le Taito, ici à côté du Donkey Kong, ici, le Darius pardon, le Taito mais le Darius. Oui. Si on continue, regardez-moi les petites pépites qui se traînent. Regardez-moi, c'est un petit Link to the Past, les gars. Je sais pas comment il y a encore en magasin. Faut venir l'acheter, hein. Faut pas le laisser là. Hein. Les pépites, ça continue les pépites. Il y en a 2X là-bas au fond. Il y a un petit 2X caché tout au fond. Là aussi on a pas mal, regardez au milieu, pas mal de choix, on a une petite Neo Geo Mini ici, c'est la seule qui me manque. Petit coffret Time Crisis 4 japonais, ça fait vraiment plaisir, c'est super joli. Et c'est pas commun, encore une fois c'est pas commun. Il y aura aussi beaucoup de mangas ici, vous voyez, beaucoup de mangas, il y en a à bloc. On a un joli coffret Resident Evil 4, une Neo CD. Coffret Final Fantasy que j'ai acheté il y a pas longtemps. Mais si je casse tout ça, en tout cas c'est bon. Et une petite PC Engine là-haut avec trois petits jeux. Trois bons petits jeux d'ailleurs, du moins. Je sais pas si vous voyez, il y a Dragon Spirit là, Darius Plus et l'autre, je ne sais pas ce que c'est par contre. Voilà les amis, regardez-moi. Ça, c'est... Et je vous fais le tour rapide. Hein. Et voilà, allez, franchement, il y a énormément de choix. Très très belle boutique indé, vraiment. C'est vraiment pépite, hein. Vraiment pépite. Bon les gars, si vous êtes du côté de Toulon, venez à California Games. Là les amis, en rentrant la voiture, dans le grand centre commercial, il y a un Cash Converters. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'ils ont de beau. Thank you.
Des choix sympas, mais malheureusement pas ce que je recherchais. Tant pis. Les amis, on se retrouve maintenant à l'Easy Cash Toulon et vous allez voir, il y a des petites pépites al dente. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Petite vidéo improvisée, j'avais pas prévu de trouver ça dans un micro-mania, je sais pas comment entendez bien, parce que j'ai pas de micro, j'ai rien, j'ai mis plus la casquette. Regardez. Le double dragon limited run. C'est pas commun. Hein. Moi c'est la première fois que je le vois dans un micro-mania, le Okami, version japonaise. Très joli ça. Hein. Et le Capcom Fighting Collection. Ça c'est sympa aussi. Hein. Ouais, dans les micro-manias, c'est pas mal. Hein. Et voilà les amis, on est de retour pour jouer un mauvais tour. Pour le compte-rendu des loots. Du moins, chez California Games, il y en a eu un seul. Parce que, au niveau du budget en ce moment, il faut que je fasse des petites économies pour une petite pièce qui va arriver bientôt dans la collection. Donc j'étais tenté bien sûr par plein de choses, vous avez vu dans la vidéo, mais tous les produits de ouf qu'il y avait, moi qui adore les shmups, il y avait... plein de trucs comme des Batsugun sur PS4, plein de portages, des Day Smiles, enfin vous avez vu tout ce qu'il y a. Bon, heureusement que j'en ai quand même pas mal derrière dans ma collection, parce que sinon, franchement, j'aurais cassé un PEL. C'est nul! Donc, déjà, merci beaucoup pour l'accueil à California Games, je vous jure, le patron est d'une gentillesse incroyable, je vous jure vraiment, il a été vraiment au top. Il m'a appelé monsieur tout le long de mon passage dans le magasin, franchement, respectueux, très gentil, vraiment incroyable. Les prix, encore une fois, ne sont pas plus chers en magasin que sur Internet, comme vous avez pu voir. Franchement, si vous connaissez les codes, vous savez très bien que le magasin n'est pas du tout un voleur. Et donc, il fallait faire des choix. Alors, j'ai voulu prendre, il y avait un Xevious sur NES, malheureusement, il était un petit peu abîmé sur le dessus, donc je ne l'ai pas pris, malheureusement, parce que Xevious, j'ai un affect tout particulier avec ce jeu. Donc, je n'ai pas pris de jeu, mais j'ai pris un petit diorama de Contra. Je sais que je suis très très fan de Contra, et bien évidemment, et j'ai trouvé ça complètement dingue, ce pixel art, vous voyez, en 3D. Je trouve que c'est... je sais pas, vous verrez bien avec le ring light et le flash. J'essaie de le tourner un petit peu dans tous les sens. Pour que vous le voyez bien. Voilà, c'est les... vous savez, les petits cubes, là, en 3D. Franchement, je les vois très, très... d'habitude, je les vois vers 90 euros dans convention. Et là, je l'ai acheté 29 euros. Voilà, les dioramas 3D étaient à 29 euros. Donc, j'ai sauté sur l'occasion de prendre le contrat. Il restait un Golden Axe et un Altered Beast, si je dis pas de bêtises, vous avez vu dans la vidéo. Donc voilà, mais il y a encore plein de choses que j'ai pas pu filmer, parce qu'il y en avait vraiment partout et c'était vraiment incroyable. Donc voilà, moi j'ai ramené ce petit diorama de Contra, très 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 joli, parce que au niveau déco, c'est quand même pas dégueu. Et c'est tout pour le moment, je n'ai ramené que ça, les copinous, je n'ai ramené que ce diorama de Contra. J'y retournerai bien sûr avec les copains, donc si vous êtes du côté de Toulon, n'hésitez pas à venir. Je n'ai rien pris dans l'Easy Cash non plus, parce que j'ai pas pu y retourner, malheureusement, j'ai eu un petit souci. Donc j'ai pas pu y retourner, mais il y avait des choses vachement sympas, comme vous avez vu. Et dans le cash converter, sinon j'avais rien qui me disait. Mais tiens, petit colis Vinted qui est arrivé au passage, j'en profite. J'ai reçu un magnifique pack de House of the Dead Project Overkill parce que ce jeu est tellement what the f.
Il est exceptionnel, je surkiffe ce jeu, c'est un ride shooter de dingue. Pour moi, c'est le meilleur House of the Dead, franchement, de très loin. Et avec le pack, c'est Big Ben qui fait ça. Toujours les fameux Big Ben qui sont là. Donc voilà, ce petit loot Vinted, pas très très cher, même pas 20 et quelques balles. Donc c'est plutôt sympa, voilà. Un petit collector, ça complétera le 2 et 3. J'ai le collector du 2 et 3, voilà. Donc c'est super sympa, après. C'est très sympa, les copines. Donc voilà, c'était le petit loot Vinted aussi, au passage. Et voilà, les amis, cette petite vidéo loot est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça a été très bref, très court au niveau des loots. Bon. Pas acheter hein, tout le temps non plus. Hein. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, likez et partagez. Et je vous dis à très vite, lors d'un live, lors d'un stream, ou en IRL.